Bonjour à tous. Donc je m'appelle Tanguy Como, je dirige en effet Wakeit, l'agence digitale du groupe GFI. Et j'ai eu à nouveau cette année le plaisir de présider le jury pour élire les projets les plus innovants sur le plan de l'expérience client, avec, comme vous l'avez vu, un jury d'exception, des cas extrêmement passionnants, des petits acteurs, des grands acteurs, et donc de tout secteur, dont sont émergés quatre gagnants qui nous ont paru particulièrement inspirants sur ce sujet et qui, j'espère, vous permettront vous-même de tirer parti de ces innovations dans vos propres secteurs et vos propres expériences. J'ai donc le plaisir d'accueillir Jean-Bernard Della Chiesa, d'ETAM, le directeur de l'innovation et de la transformation, Yann Martin, marketing manager chez Zanzicar, Sophie Aggazo, VP European Markets, et le docteur Hervé Roset du centre Léon Bérard, ainsi qu'un membre du jury qui nous fait le plaisir de venir restituer comment se passe et quels sont les critères qui ont compté, Laetitia Thiel de Camailleux, directrice digitale. Donc merci et bravo à tous pour ce prix. Je pense que vous pouvez les applaudir, ils ont gagné. Alors, dans le désordre, docteur Roset, on parle d'un casque d'hypnose qui, dans le bloc opératoire, comment ça marche ? À quoi ça sert ? Alors, un casque d'hypnose, c'est d'abord un casque... D'abord, bonjour. Merci de votre sélection, puis merci de m'avoir choisi parmi les quatre, avec les quatre, pour ce prix. Un casque d'hypnose, c'est un casque de réalité virtuelle, avec une application, avec des applications d'auto-hypnose. Alors le casque de réalité virtuelle, vous connaissez, hein, la réalité virtuelle, c'est un système informatique qui permet à l'utilisateur de se projeter dans un monde complètement virtuel, et à l'hôpital c'est bien parce que ça permet au patient de sortir de l'hôpital et de sortir de l'endroit où il est, et donc au bloc opératoire, ça lui permet de ne pas être au bloc opératoire, et sous les champs opératoires, eh ben, il est ailleurs, il peut être... Moi, je l'emmène souvent dans une plongée sous-marine avec une baleine, et la baleine lui sert de guide, il va visiter quelques fonds. Après quelques mouvements de respiration, eh ben, le patient va être calme, et puis il va suivre tout doucement la nageoire caudale de la baleine qui le précède. Attention quand même. Hein. Et là, on est en postprandial, alors vous allez vous endormir, mais non, je vais réaccélérer. Mais c'est le principe. Le principe, c'est qu'on baisse le ton, on offre quelque chose à voir, on baisse le ton, on baisse l'intensité, on baisse la fréquence, et puis les gens s'adaptent, les gens collent au scénario, et puis en fin d'intervention, et bien de nouveau, on accélère, on parle plus fort, on met une musique plus forte, et on dynamise de nouveau les choses, et les gens se réveillent avec quelque chose de positif. Merci beaucoup et bravo. Sophie... Mythique, donc Lara, vous avez lancé un bot, Lara, avec une mission essentielle, aider vos membres à trouver l'amour. Alors, comment il marche ce bot ? Alors, donc, depuis 2016, en fait, très concrètement, Lara permet aux membres et aux nouveaux arrivants sur Mythique, que ce soit sur Mythique ou sur Messenger, en fait, de s'inscrire. Et puis progressivement elle leur a proposé des nouveaux profils de célibataires et puis désormais elle aide en fait les membres à organiser leur rendez-vous avant, pendant, après le rendez-vous et depuis le printemps cette année elle est sur Google Home et là en fait depuis elle s'adresse au-delà des membres mythiques à tout un chacun qui a des questions à poser sur comment ça se passe un rendez-vous, est-ce que je dois payer l'addition, où est-ce que je peux emmener cette personne, donc elle propose des lieux de rendez-vous, etc. Donc elle est un coach, et c'est le premier coach de dating qui a été développé en Europe, c'est le premier coach de dating au monde. Et on l'a salué, bravo à vous. Yann, chez Zanzicar, on parle du Spotify de l'automobile. Alors, on peut louer sa voiture d'occasion, s'abonner à sa voiture d'occasion. Expliquez-nous. Bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup d'avoir pensé à nous pour cette nomination. Ça nous touche vraiment, c'est un vrai travail d'équipe derrière ce projet. Et Zanzicar.fr, du coup, c'est un site clairement e-commerce de vente de véhicules d'occasion.
neuf et récent, donc du coup totalement sur Internet, où on peut acheter à distance son véhicule et se le faire livrer directement chez soi, donc en point retrait ou directement à domicile. Et Spotify, Netflix, oui, parce qu'on est, clairement, on répond à un besoin qui est de rouler avec un véhicule sans en être forcément propriétaire et sans se soucier de l'usure en profitant que de l'usage. Donc voilà. Génial, bravo. Et enfin, Jean-Bernard et Tam. Alors là, on a imprimé deux initiatives, en fait, une pour le stylisme, une dans les magasins. Je vous laisse nous expliquer. Oui, alors, c'est étonnant parce que ça n'a rien d'innovant, en fait, parce qu'on cherche, ce qu'on obtient, c'est quand même ce que le retail cherche à avoir depuis, je pense, des milliers d'années, c'est quel est le potentiel commercial de mes produits. Et dans un cas, dans la première initiative, c'est 9 mois à l'avance, c'est-à-dire quand je n'ai toujours pas fabriqué ces produits et que j'ai encore le choix de les faire ou pas et à quelle quantité. Et dans le deuxième cas, c'est tout de suite. Parce que tout de suite, il y a quand même, en plus, il n'y a pas que le succès commercial, il y a aussi quelle typologie. Est-ce qu'il provoque un achat? Est-ce qu'il provoque un trafic? Est-ce que c'est juste un complément de panier? Donc tout de suite, pour réagir au plus tôt et accompagner le client par rapport à ce qu'il souhaite, alors qu'il ne sait même pas finalement qu'il souhaite ça. Merci beaucoup, bravo. Laetitia, je voulais, en tant que membre du jury, vous donner la parole pour nous expliquer quels critères ont fait la différence, qu'est-ce qui a fait sortir ces quatre projets voilà, clairement au-dessus du lot parmi les innovations qu'on a étudiées. Alors, bonjour à tous. Effectivement, j'ai le plaisir de représenter les 9 membres du jury. C'est aussi une responsabilité pour vous expliquer les critères qui ont attiré particulièrement notre attention dans chacun de vos projets d'innovation, des critères très variés, et de les partager avec vous. Je vais commencer par vous, docteur Rosé. L'utilisation de casques de réalité virtuelle en pré- et post-opératoire, il y a une valeur d'usage indéniable, un réel bénéfice pour le client, et le patient est un client. Vous citiez dans votre projet d'innovation 80% de vos patients diminuer de moitié leur anxiété avec l'utilisation du casque, donc il y a un vrai réel bénéfice pour celui-ci. C'est aussi une innovation technologique et médicale incroyable dans un secteur qui est très réglementé, donc je sais que ça est loin d'être simple. Et enfin, vous avez mentionné des résultats assez quantifiables, puisque plus de 400 patients ont bénéficié de ce casque de réalité virtuelle. Et enfin, pas des moindres, j'avoue que c'est un petit coup de cœur partagé de la part des membres du jury, parce que c'est un projet d'innovation qui s'inscrit dans un contexte où on a un manque de personnel soignant, on a aussi un temps qui est très engagé et très restreint par rapport aux équipes qui soignent les patients, des budgets, vous l'avez exprimé, qui sont aussi des impératifs budgétaires et des budgets fortement restrictifs. Et puis, nous sommes aussi dans un pays qui est fortement médicalisé. Donc, pour le coup, avoir un casque de réalité virtuelle avec une anesthésie locale versus une anesthésie générale, il y a un bénéfice non seulement pour le client, le patient, mais également pour le corps médical. Donc, c'est une vraie innovation qui fait sens en tous les cas. Deuxième projet, je vais continuer avec Mythic, avec le chatbot conversationnel Lara, que j'ai testé moi-même. De ce fait, on est une Google Home à domicile, donc j'ai pu partager l'expérience avec les membres du jury. Il y a là une vraie innovation technologique avec le développement effectivement des objets connectés, des enceintes connectées qui s'immiscent de plus en plus dans les foyers des consommateurs, avec un poids du vocal qui est de plus en plus important et facilitant, pratique au quotidien. Donc là, pour le coup, effectivement, une vraie innovation technologique et fonctionnelle avec Lara, mais également une valeur d'usage pour l'ensemble des individus. Et vous l'avez très bien exprimé, que je sois avec un compte Mythic ou que je n'ai pas de compte Mythic, ça s'adresse à tous, effectivement, pour avoir des conseils sur l'aspect vestimentaire selon la météo, également des précisions sur les endroits où sortir. Donc il y a là encore une vraie valeur d'usage et c'est ce qui a également retenu notre attention. En ce qui concerne Zanzicar, il y a un potentiel business très très fort avec effectivement la possibilité, depuis son canapé, de pouvoir acheter son véhicule neuf, son véhicule d'occasion, un véhicule avec une option d'achat, avec tous les services d'entretien qui vont de pair. Une vraie facilité parce qu'on peut voir le véhicule en 360 depuis son canapé sous tous les angles et toutes les coutures. Et vous citiez dans votre projet d'innovation, eh bien, ça s'adresse à des consommateurs de plus en plus exigeants qui souhaitent acheter différemment
Et donc, votre solution apporte une véritable réponse à leur service. Donc, là encore, valeur d'usage qui est extrêmement intéressante. Et puis voilà, donc pour le coup, on était extrêmement convaincus par votre projet d'innovation. Et enfin, le projet TAM, qui montre aussi un bel esprit d'ouverture de la part du jury, en tous les cas de ma part, faisant partie de Camailleux. On est dans la démonstration de l'objectivité du jury. Je suis impatient de voir l'exercice. Pour le coup, on a deux axes clés qui ont été pris dans ce projet d'innovation, parce qu'il y a énormément d'initiatives qui tournent autour de la data, mais également autour du paiement. Donc il y a un vrai potentiel business par rapport à tout ce que vous avez développé qui traite l'ensemble des irritants sur le parcours des clients, avec des initiatives sur le paiement sans caisse, le paiement autonome, le try at home, mais aussi des initiatives qui sont tournées vers vos clients internes, vos collaborateurs, puisque vous avez mis à leur disposition une app Squad Shift qui permet à vos hôtesses de vente d'être en mobilité dans vos magasins de proximité. Donc c'est vraiment une orientation innovation sur les clients internes et les clients externes, et ça je trouve que c'est extrêmement important. Voilà, et puis un gain business, un potentiel business effectivement fort, on l'a cité, et puis un projet qui était aussi duplicable, alors bien sûr dans le secteur du prêt-à-porter, mais également dans d'autres secteurs d'activité. En tous les cas, bravo à tous, chers gagnants, pour les trophées de projets d'innovation autour de la satisfaction client. Et force est de constater que nous avons un objectif commun qui est la satisfaction de nos clients, tous ensemble, même si on est dans des secteurs d'activité différents. Merci beaucoup, Laetitia. Alors, je souhaitais pouvoir rentrer un peu dans le détail de nos cas. Hervé, en particulier, moi, c'est vrai qu'au niveau du jury, on a été très sensible au côté amener de l'innovation dans un environnement très réglementé, dans un contexte de bloc opératoire, avec toutes les problématiques de risque, d'assurance, etc., qui peuvent se poser. Quels ont été les freins, les obstacles au déploiement de cette innovation ? Alors, sur le plan législation, ça n'a pas été un gros problème parce qu'on finalement on les a passés d'abord sous silence, puis on a pris un marquage des produits marqués CE, donc ça ne posait pas trop de soucis. En fait, les principaux freins, c'est d'abord des freins humains, des freins quand on amène quelque chose de nouveau, un nouveau projet, et à chaque fois, il faut y aller doucement, pas à pas, step by step. Et en fait, l'idée est d'avoir eu des success stories. Et puis, une fois que les success stories ont été montrées aux soignants, en faisant tester aussi l'appareil aux soignants, ben ça a été relativement facile à faire accepter. Soignants, infirmières, médecins, chirurgiens, sont faciles à convaincre finalement. Le patient aussi, assez facile à convaincre. Finalement, les plus difficiles à convaincre, c'est nos payeurs, c'est nos directions. Parce qu'eux sont toujours effectivement à l'affût, ou en tout cas ont des budgets crispés. Et donc tout de suite, eux envisagent les dépenses supplémentaires, etc. Mais vous avez raison, on est vraiment dans la satisfaction patient, satisfaction client, dans le parcours client. Parce que nous, à l'hôpital, on a aussi des périodes difficiles, des périodes d'attente qu'il faut utiliser pour former, utiliser pour détendre, utiliser pour rassurer. Et je pense que ce type d'appareillage, en tout cas, il aide beaucoup les patients en souffrance. Très bien, merci beaucoup. Et sur le plan, je vais vous laisser la parole. Parlons-en, en fait, quels bénéfices on s'est posé la question, est-ce que le patient est un client comme les autres? C'est quelque chose qui nous a interpellés du jury, bien évidemment. Quels bénéfices sur son expérience aujourd'hui et dans le futur, grâce à ce casque? Alors finalement, c'est un peu tabou de dire que le patient est un client. Moi, je pense que c'est bien de le dire. Oui, je transgresse un peu les règles médicales, mais je pense que c'est bien de le dire parce que le patient, quand il est client, il peut choisir. Et puis, il peut aussi noter. Et en Outre-Atlantique, il y a des notes en fonction des... Enfin, les clients notent les hôpitaux. Ils ont des TripAdvisor des hôpitaux, TripAdvisor. Ça commence à sortir en France. Mais en France, les meilleures cliniques, tout ça, c'est encore des données agences régionales de santé. On ne prend pas encore compte de la satisfaction patient. Et là, ça va venir parce que le ministère, justement, pousse pour qu'on aide, en tout cas, on tienne compte de la satisfaction patient. Et le dernier... Et sur le plan médical... Sur le point médical, vous l'avez dit, chute de l'anxiété avant les interventions de plus de 50 à 60% chez 80% des patients. On réalise maintenant quelques interventions
sans anesthésie, alors qu'avant, eh ben, c'était systématiquement avec une anesthésie. Il y a des patients qui ne sont pas endormables et qu'on arrive maintenant à faire sous réalité virtuelle et auto-hypnose sans anesthésie générale. Et donc, réellement, pour le coup, c'est une autre arme dans notre arsenal. Ce n'est pas la panacée, mais c'est vraiment une autre arme dans notre arsenal. Et c'est vraiment satisfaisant pour les patients. Merci beaucoup, Sophie, Mythique. Donc, Lara, on a bien compris son rôle, mais concrètement, et j'imagine que vous mesurez tout ça de très près, quel impact sur le business, quel impact sur l'expérience de vos membres? Alors, c'est très impressionnant de passer après le docteur Rosé en termes d'impact. voilà, c'est très impressionnant, bravo. Alors, à notre niveau, dans un environnement de dating en ligne, l'impact business, d'abord sur la porte d'entrée, qui est l'inscription, on a augmenté nos taux de conversion de 30%. On est dans un marché où on renouvelle en permanence notre acquisition, bien évidemment, puisque notre enjeu, ce n'est pas de fidéliser nos membres. Si on fait bien notre travail, ils doivent partir. Et donc, du coup, le taux de conversion, c'est notre premier indicateur business qui a été impacté. Lara, elle parle à 400 000 personnes chaque mois, donc ça veut dire qu'elle est désormais au cœur de nos services et au même titre par exemple que notre offre d'événements dans la vie réelle, on a plusieurs dizaines d'événements de voyages, de loisirs, de soirées chaque mois en France et des centaines en Europe et donc au même titre que cette offre événementielle, Lara elle fait vraiment partie de notre offre désormais, elle coach, elle guide, elle détecte des intentions. C'est une vraie intelligence conversationnelle. Alors, ce n'est pas une intelligence qui saura vous dire qui est le président de la France, parce que ça, on s'en fiche qu'elle sache vous dire ça. En revanche, dans un contexte, ça veut dire qu'elle prend compte du contexte. Elle est intelligente dans un contexte de dating et elle va même garder un historique et être de plus en plus fine avec vous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle vous a conseillé hier soir d'aller dans tel bar à Lyon, eh ben, le lendemain, elle va vous demander si le bar vous a convenu et ce que vous en avez pensé, et elle va adapter sa réponse suivante. Donc c'est en ça qu'on peut dire que c'est désormais une vraie intelligence conversationnelle. Voilà. Merci beaucoup. Yann, en fait, un des points qui nous a interpellés, c'est effectivement vous attaquer au marché de l'occasion. C'est un marché hyper occupé. Alors comment vous y êtes pris pour vous différencier sur ce marché et aller occuper ce marché? Oui, c'est un marché qui est très pris par des acteurs très importants comme Le Bon Coin, avec lequel on travaille. C'est un marché qui se fait beaucoup de particulier à particulier, parce que chaque année, vous avez plus de 5 millions de transactions qui se font directement de particulier à particulier. Sauf qu'on s'est rendu compte, et nous, comme on appartient à un groupe... C'est une mine d'or en même temps. Comment ? C'est une mine d'or. Oui, ben complètement. Mais il faut savoir faire sa part et faire sa présence dans ce milieu-là. Et on trouvait légitime en tant que professionnel de l'automobile, parce qu'on appartient à un groupe qui s'appelle le groupe Paro. On est un distributeur, donc notamment BMW, Mini, de reprendre une part sur ce marché du multimarque et de l'occasion qui nous échappait. Pour ça, on a créé une plateforme de marque. On a analysé le marché. On a analysé nos concurrents. On a regardé ce qui se faisait aussi aux États-Unis et on s'est dit que si on faisait un simple copier-coller, ça ne marcherait pas. Donc il fallait avant tout une empreinte graphique, une empreinte d'un point de vue communication, plateforme de marque. Il fallait qu'on soit différenciant à un moment où le leasing, qui est un produit qu'on retrouve beaucoup sur les professionnels et chez les constructeurs, était en train d'exploser. Donc nous, on l'a fait avec la LOA, qui est la location avec option d'achat. Et en fait, on pose une question simple à nos clients et aux conducteurs. C'est bon, aujourd'hui, la voiture, c'est bien. On voit ce qui se passe aujourd'hui avec la conjoncture, ok. Est-ce qu'il est encore intéressant aujourd'hui d'être propriétaire d'un bien qui va perdre de la valeur? Posez-vous juste cette question. Dans 5 ans, vous allez aller le revendre. Ça va être compliqué, etc., etc. En fait, vous prenez plus la tête là-dessus. Profitez de quelque chose maintenant qui correspond à votre mode de vie. Si vous êtes en couple, si vous êtes séparés. Si vous avez des enfants, etc., etc., ben en fait, on trouve un véhicule qui vous correspond maintenant. Et puis, comme c'est un principe de location avec option d'achat, ben à chaque fin de financement, c'est l'occasion de repartir sur un nouveau véhicule qui correspond à votre mode de vie, etc. Avec tous les services embarqués, satisfaits ou remboursés, plus de 100 points de contrôle, des avis clients certifiés, etc. Tous les codes du e-commerce qui font qu'on est obligé de le faire. Nous, on est convaincus que le prix, aujourd'hui, c'est même plus un sujet. Les gens veulent forcément acheter au bon prix. Ça ne veut pas forcément acheter moins cher. C'est avoir le meilleur rapport qualité-service. Nous, nos véhicules sont garantis minimum 12 mois, ont été reconditionnés. On a une présence aussi physique, bien qu'on soit un e-commerçant.
on a des personnes derrière et on a internalisé toutes les ressources du commerce au développement en passant par le marketing. On a la main sur tout. Donc c'est un circuit qui est assez intéressant et qui est assez novateur dans ce monde où on trouve beaucoup de mandataires qui vendent des véhicules qui ne sont pas toujours en stock, qui ne sont pas toujours présents. Nous, tous nos véhicules sont en stock, sont sur notre site internet. Et globalement, vous trouvez tous les avantages d'un constructeur automobile, avec tous les avantages d'un mandataire automobile, mais sans les inconvénients. C'est-à-dire multimarque, présence humaine, etc., etc. Et le digital aujourd'hui, oui, est devenu, enfin, on n'en parle même plus. Regardez où on est aujourd'hui et regardez les participants et les acteurs. Il y a des boîtes et des métiers qui n'existaient pas il y a encore 10 ans, donc il y a une vraie révolution. Et oui, c'était une évidence d'aller sur ce secteur-là. Et chaque mois, les ventes évoluent et on voit qu'on répond à un vrai besoin de ce milieu-là. Oui. Merci beaucoup. Merci. Et Jean-Bernard, un petit zoom, je vais revenir sur la première initiative qui concerne plutôt la préparation des collections. Avec le vrai débat qui nous paraît intéressant, c'est le cerveau droit créatif de vos stylistes, leur cerveau gauche sur la data. Comment ont réagi vos stylistes quand vous avez introduit cette initiative ? Il faut savoir déjà que, contrairement à mes collègues qui créent en fait aujourd'hui des vrais services, aujourd'hui le retail est quand même un service qui existe depuis sûrement des milliers d'années, mais qui là vit une transformation comme rarement il en a vécu. Et c'est dans ces leviers de transformation, la data est un élément, j'allais dire, qui s'impose. Maintenant, elle s'impose souvent dans les discours, et dans la réalité, c'est quand même une toute autre chose. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, la data, tout ce qu'on fait au niveau data, au niveau technique, il n'y a aucune difficulté. C'est vrai, il n'y a pas de quoi se vanter. En fait, les machines sont extraordinaires, la data existe, la façon de la capturer, les calculs, vous allez prendre des data scientists, des endroits. Donc vous aurez, si vous le voulez, assez facilement de la data. J'exagère, mais quand même. Par contre, jusqu'à présent, on est quand même face à des gens qui ont travaillé sans et qui ont très bien travaillé sans. C'est-à-dire qu'en fait, je ne suis pas en train d'aller voir un styliste, on lui dit « Tiens, ce serait bien de créer des produits, il en a toujours créé. Ce serait bien de faire une belle collection, il en a toujours fait. » Et là, je lui dis « Mais là, aujourd'hui, il y a ton feeling, et je te paye pour ton feeling, et tu as une conversation à la rigueur avec un autre qui est le chef de produit, mais c'est quand même que de la perception des paris humains. » Et là, je lui dis « Bah tiens, maintenant, j'ai un deuxième larron dans l'affaire qui a un avis sur ta collection. C'est la data, et donc indirectement tous tes clients. » Ben, je vous jure que quand ça arrive sur la table, ben, ça fait un gros choc, un énorme choc. Parce qu'on est en train de dire à des gens, ben, j'ai un moyen de mesurer concrètement ce que tu as fait là, si ça va se vendre, pas se vendre, si ça plaît ou ça plaît pas. Et souvent on dit, ben, quand tu ne veux pas savoir la réponse, tu ne poses pas la question. Et c'est un peu ça la première réaction des gens. C'est qu'en fait, ils disent, oh, ben non, mais j'ai pas envie de savoir en fait. Parce que c'est une sanction, vous voyez ? Ils le vivent comme ça. Et ce qui est dommage, parce que c'est un vrai challenge, c'est une vraie formation en plus pour travailler. Mais au départ, c'est un peu comme ça. Je vais prendre un point qui est quand même fort. C'est quand même, aujourd'hui, effectivement, avec la data, on rejette à peu près 30% de la création d'un styliste. Voilà, c'est un fait. Ben, je peux vous dire que c'est ça le marque. C'est impressionnant, en effet. Ouais. Mais par contre... Une fois qu'ils vont dedans, qu'ils voient, enfin, il y a un travail à faire. Une fois qu'ils l'ont vu, parce qu'à un moment donné, il y a le phénomène de la réalité qui nous rattrape, ben, ça devient à l'inverse addictif. C'est-à-dire qu'on passe d'une vraie peur à un phénomène addictif. C'est quand même à un moment donné, on leur dit attention, il ne faut pas non plus passer d'un extrême à l'autre. Hein. Tout ce qui est là, il y a quand même une part d'humain à donner. Voilà. Je comprends. Mais merci beaucoup. Et alors, je vais passer à la deuxième étape du cycle, dans les magasins, pour aider vos vendeuses à mieux transformer en identifiant les bons produits. Là aussi, quel frein, enfin, comment ça s'est décliné ? Mais la problématique, c'est que je viens de dire que la data, il fallait la prendre comme une aide humaine. Et en fait, c'est vrai dans les métiers où il y a peu d'acteurs, peu de contacts. Maintenant, il y a d'autres métiers, il y a d'autres apports de la data. Notamment, là, on est en train de passer dans le monde de l'assistance, c'est-à-dire que tout le monde veut assister, tout le monde veut à un moment donné non plus qu'on l'aide à trouver le bon produit, mais on veut en fait qu'on lui conseille le bon produit, hein, c'est la première chose qui est arrivée chez Mythic. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans cette assistance ? Ben, il se passe qu'en fait, on démultiplie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se retrouve avec des millions de clients qui veulent tous être assistés, et là, on se retrouve avec, waouh ! Là, ça va être difficile quand même de les prendre un à un et de les assister. C'est exactement ce qui s'est passé chez Mythic, c'est-à-dire que finalement, ce que fait cette IA, ben, n'importe quel conseiller pourrait le faire, un peu humain, un peu formé. Sauf qu'on s'est dit, mais je ne vais pas faire un pôle
de centaines, voire de milliers de personnes qui vont prendre tous les gens en chat, en direct. Ce ne serait pas imaginable. Et ben, dans la donnée, dans la façon de l'utiliser, et ben, quand on passe par contre dans cette phase, pareil, de démultiplication à la personne, ben, en fait, cette assistance que je viens de vous dire, elle ne marche plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne peux pas assister des gens qui vont prendre la bonne décision, qui vont donner le bon conseil. Je peux assister des vendeurs, mais les vendeurs ne pourront pas assister les gens tout le temps. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une démultiplication de l'assistance dans les cabines d'essayage, au moment où, parce que les gens, vous aviez Monoprix ce matin qui expliquait que les gens achetaient et scannaient au fur et à mesure. Dans ce cas de ces scans, ils veulent aussi une assistance, ils ne veulent pas un vendeur qui les suive comme ça à la trace. Et donc, pour faire ça, ben, il n'y a pas 50 solutions, et ça, il faut l'accepter. Et ça, c'est une autre étape. C'est la deuxième, c'est qu'il faut automatiser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la data, elle est là. Pour certaines personnes, ça va les aider, les créatifs, les gens qui ont vraiment une valeur ajoutée forte encore dans leur parti pris. Et pour le reste, eh ben, il va falloir automatiser. C'est inéluctable. Aujourd'hui, vous voyez, ben, les premiers qui ont fait ça, par exemple les sociétés, souvent les start-up californiennes, vous prenez Uber, ben, il n'y a pas une armée de personnes qui pilotent les zones de là où il n'y a pas de voiture et là où il en faudrait plus. C'est un algorithme qui automatiquement fait monter ou fait baisser les prix, les cours finalement de la zone géographique. Ben, pourquoi ? Parce que humainement, ça aurait été impossible de dire, bah, tiens, j'ai une alerte, là tu devrais monter. Ce n'était pas possible. Et à un moment donné, vous dites, bah, si tu sais faire, bah, fais-le. Ben, c'est ça la deuxième étape de la data dans le physique. Très bien. Augmenter les vendeuses. La vendeuse augmentée. Yann, j'en reviens à l'abonnement. On s'abonne à la voiture. Qu'est-ce que ça change durablement dans l'expérience de vos clients ? Comment vous projetez ça dans le futur ? Quand on parle d'abonnement, en fait, on parle quand même d'un financement, on parle d'une mensualité. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qu'on cherche à expliquer à nos clients, c'est ne soyez plus propriétaire de cette voiture. Donc, du coup, plutôt que vous achetez une Fiat 500 à 10 490 euros, combien vous avez par mois à octroyer dans votre budget à une voiture ? 149 euros, ok. Donc ça devient une première information assez intéressante. Tous nos véhicules sont sans apport, donc gardez votre argent, ne le mettez pas dans la voiture, gardez-le pour vos projets perso, partez en voyage, ça sera bien mieux utilisé. Par contre, pour 149 euros par mois, ben, roulez pendant 2-3 ans avec un véhicule et soyez plus propriétaire justement de ce véhicule-là. Et ce qui est intéressant justement, c'est que comme le client rentre dans un cycle de vie, il roule pas en Fiat 500, il roule en Zanzicar. Et il roule avec un véhicule qui lui-même ne subit plus cette usure. Et à chaque fin de financement, c'est l'occasion pour nous de renouveler le véhicule et de repartir sur un véhicule et de monter en gamme tout simplement. Donc en fait, et nos conseillers suivent les clients au fur et à mesure du cycle d'achat. Et on a des scénarios avant la fin du financement qui disent dans un an, dans 6 mois, eh bien, la date arrive au bout. Ça sera le mot de la fin. J'ai un petit peu de pression, mais il nous reste 2 minutes. Non, parce qu'il y a le changement, c'est 25 minutes. Très bien. Il y a le changement de salle. En fait, il y a déjà 2 minutes 39. Alors, nous allons vous remettre les prix très officiellement. Je vous propose de les applaudir. Merci beaucoup. Pour toutes ces initiatives. Il y a le rapport.